up this morning to bed. When my eyes came open, I was closed in my right mind. I could move and live, I was able to do. That's the reason you see me shout. I got so much to shout about. Bonjour à tous. Alors vous vous demandez probablement pourquoi nous écoutons ce morceau de tradition gospel qui est interprété par le groupe les Dixie Hummingbirds et qui date des années 30. Alors que le sujet de notre histoire aujourd'hui c'est le hard bop. T'as pris le rare à l'église. Mais revenons quelques instants aux Dixie Hummingbirds, ce groupe que vous entendez en arrière-plan, et écoutez bien l'énergie qui se dégage de cette musique et aussi la manière d'appuyer le deuxième et le quatrième temps. Les fameux backbeats, piliers essentiels de ce qui fait le swing. Nous allons écouter maintenant un morceau qui s'intitule « Love Me Like a Rock », toujours interprété par les Dixie Hummingbirds. When I was a little boy, when I was just a boy, and the devil would call my name, when I was just a boy, I'd say, c'est le style bebop qui domine la scène du jazz depuis le milieu des années 40, mais certains jeunes musiciens ont déjà envie d'autre chose. C'est donc le jazz cool qui va apparaître dès la fin de la décennie, avec notamment la série de concerts que donnera le nonnette de Miles Davis au Royal Roost, une boîte de New York, en 1949, et dont l'enregistrement ne sera publié qu'en 1956. Le jazz cool, au début des années 50, devient très populaire. Et il représente une génération d'après-guerre, cool et éduquée, qui aspire à une forme de jazz plus sophistiquée, qu'on écoute plus qu'on ne le danse. Au cours de ces années 50, apparaît aussi un style de musique issu du blues et du gospel, et qui va devenir rapidement très populaire. Il s'agit du rhythm and blues. Les années 50 marquent aussi la disparition de bon nombre de big bands qui ont fait l'histoire du swing des années 30 et 40, et bon nombre de musiciens de jazz sont obligés de se reconvertir dans ce qu'on appelle des jump bands, autrement dit des orchestres de danse ou de bal, comme on dirait ici chez nous en France. Alors l'un de ces jump bands les plus célèbres était dirigé par le saxophoniste Louis Jordan, qui a été l'un des pionniers du style rhythm and blues et dont voici le célèbre « Let the good times roll ». Let the good times roll. Let the good times roll. Don't care if you're young or old. Get together, let the good times roll. Don't sit there mumbling and talking trash. If you want to have a ball, you gotta go out and spend some cash. And let the good times roll. Let the good times roll.
Don't care if you're young or old, get together and let the good times roll. Hey, Mr. Landlord, lock up all the doors. When the police comes around, tell him the joint is closed. And let the good times roll. Let the good times roll. Don't care if you're young or old, get together and let the good times roll. Hey y'all, tell everybody, Mr. Jordan's in town. I got a dollar and a quarter, and I'm just Randy Clown. But don't let nobody play me cheap. I got 50 cents more that I'm gonna keep. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care if you're young or old, get together and let the good times roll. Yeah, no matter whether it's rainy weather, birds of a feather gotta stick together. So get yourself under control and go out and get together and let the good times roll. Comme vous avez pu le constater, il s'agit d'un orchestre qui ressemble à s'y méprendre à tous les orchestres de jazz swing de l'époque, à la différence que la musique est clairement destinée à la danse et à l'entertaining, comme on dit aux États-Unis. Le rhythm and blues du milieu des années 50 est aussi souvent appelé à l'époque rock'n'roll. C'est en tout cas ce qu'il va devenir avec l'arrivée du chanteur comme Elvis Presley. Mais revenons au hard bop dont l'évolution se fera parallèlement au rhythm and blues, mais dont les musiciens vedettes se distinguent par leur génie créatif et ce qu'ils apporteront au jazz en termes de virtuosité, recherches harmoniques, arrangements et développement de l'improvisation à un niveau jamais atteint. Parmi eux, on pourra citer John Coltrane ou Clifford Brown qui ont eux-mêmes joué dans des orchestres de rhythm and blues dans lesquels leur talent d'improvisateur était fort apprécié. Écoutons à présent Big J. McNeely, un autre grand nom du rhythm and blues de cette époque, et le morceau s'appelle Funky Bug. En 1954, le batteur Art Blackie et le pianiste Horace Silver forment les Jazz Messengers.
ils ressentent le besoin de revenir aux racines du jazz que sont le blues, les work songs, les spirituals, dont on ne sent pas vraiment l'influence dans le jazz cool de l'époque. Écoutons The Preacher de Horace Silver et notez les influences du gospel et les nombreuses ressemblances avec les groupes de rhythm and blues que nous venons d'écouter. Silver va quitter le groupe des Jazz Messengers en 1955 et à partir de cette date, c'est Art Blakey qui va continuer à s'occuper du groupe qui restera un des groupes phares du jazz moderne jusque dans les années 80. Un nombre très important d'albums, en particulier sur le label Blue Note, ont été enregistrés par les Jazz Messengers au fil des ans. Et c'est dans cet orchestre que se sont succédés un grand nombre des jeunes étoiles du jazz, avec dans les plus récents, en tout cas dans les années 80, les frères Marsalis. Quant à Horace Silver, de son côté, il a continué à avoir son quintet, qui lui aussi a vu défiler un nombre incroyable de jeunes étoiles du jazz, et il a continué à jouer jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il a dû disparaître il y a 2 ou 3 ans. Et c'est un grand, grand pianiste et surtout un très grand compositeur, toujours très inspiré, très bon arrangeur aussi. Nous allons écouter l'une de ses compositions les plus célèbres. Il s'agit de Song for My Father, qui a été composée au début des années 60 et qui est construite sur un rythme afro-cubain. Intéressant avec le hard bop, c'est son côté très accessible. C'est une musique facile à écouter et pourtant très exigeante. Alors, la plupart des musiciens de hard bop sont des musiciens exceptionnels qui ont été formés
à l'école du bebop, comme je l'ai dit plus tôt. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de remarquer que la musique qui est proposée par les compositeurs et les groupes de hard bop est une musique vraiment originale. La plupart des compositions de Horace Silver, Benny Golson, Tad Damron sont des compositions entièrement originales. Contrairement à pas mal de compositions de bebop qui étaient construites sur des grilles harmoniques déjà existantes, on appelait ça des démarcations. On prenait la grille harmonique d'un morceau et on faisait un autre morceau dessus. On inventait une nouvelle mélodie. Et ça, c'était une pratique qui était très très courante chez les boppers, pour qui l'important se situait surtout au niveau de l'improvisation. Une autre chose remarquable dans le hard bop, c'est les solos particulièrement intéressants que vont produire les musiciens et qu'on entendra surtout sur le label Blue Note, qui devient vraiment l'étendard de cette musique. L'un des saxophonistes ténors tout à fait remarquables de cette période hard bop, c'est Hank Mobley. Alors bien sûr, il y avait Sonny Rollins, il y avait John Coltrane, mais Hank Mobley a construit son style personnel et il s'est vraiment affirmé comme un musicien important de cette période. Nous allons écouter une composition qui rentre peut-être dans la catégorie du soul jazz, toujours très inspirée par le blues, et qui s'appelle Soul Station. Thank you.
Cette musique qu'on appelle le hard bop va couvrir une période qui se trouve grosso modo entre le début et la fin des années 50. Naturellement, la plupart des groupes issus de cette période vont continuer à jouer, des groupes comme les Jazz Messengers, des groupes comme le quintet de Ras Silver et bien d'autres. Un tas de musiciens très très influents qui vont être à l'origine du jazz moderne, comme Freddie Hubbard, Wayne Shorter, Herbie Hancock, viennent de ce style. Ils ont été nourris souvent de cette musique blues churchy qui a préludé à la naissance du jazz et qui est particulièrement mise en évidence dans ce style hard bop. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une deuxième partie consacrée au hard bop et je vous souhaite à tous une bonne soirée. À bientôt.